Bonjour, nous sommes le mercredi 6 février 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Cette semaine, nous allons faire un point sur la fertilisation des colzas et des blés. Donc, pour commencer, pour les colzas, il faut déjà déterminer la dose d'azote à apporter. Donc, pour déterminer cette dose d'azote, il faut évaluer la biomasse du colza, que ce soit par imagerie ou par les pesées. Pour le moment, il est encore tôt. Pour réaliser les pesées. En effet, il faut les réaliser juste avant la reprise de végétation, ce qui n'est pas encore le cas. Une fois la dose d'azote établie, il faut penser au fractionnement. Si on a une dose bilan totale à apporter de moins de 100 unités, un seul passage courant montaison peut suffire. Pour les doses d'azote comprises entre 100 et 170 unités, là, il faudra couper l'apport d'azote en deux parties. Un premier apport entre 60 et 80 unités. Donc là, on va réaliser cet apport à reprise de végétation et un deuxième apport courant montaison avec le solde. Et pour les grosses doses d'azote supérieures à 170 unités, là, il faut fractionner en trois apports. Dans ce cas, on va réaliser un premier apport à reprise de végétation entre 40 et 60 unités, suivi d'un apport courant montaison entre 80 et 100 unités. Ne jamais dépasser les 100 unités et le solde un peu avant la floraison. Un élément à ne pas oublier lorsqu'on fait la fertilisation du colza, c'est l'apport de soufre. En effet, le colza est très exigeant en soufre. Les carences se reconnaissent lorsque les feuilles jaunissent et que les nervures restent vertes. Il faut donc apporter au minimum 75 unités de soufre sous forme sulfate, courant montaison du colza, pour éviter tout risque de carence. La meilleure forme d'apport reste un ammonitrate soufré. Un autre élément à prendre en compte pour le colza, c'est le bord. En effet, le colza est quand même très demandeur en bord. Un apport de 500 grammes par hectare en apport foliaire courant montaison sera efficace et évitera tout problème de carence, ce qui permet de gagner 2 à 3 quintaux selon les différents essais réalisés. Au niveau de la fertilisation du blé, la base des apports, c'est le fractionnement en 3 ou 4 apports selon la dose. Le premier apport ne doit pas dépasser les 50 unités. En effet, le blé n'est pas capable d'absorber plus à reprise de végétation. Il faut garder entre 40 et 60 unités pour le dernier rapport à dernière feuille étalée. Gonflement. Le solde sera apporté à épi 1 cm. Si le solde dépasse les 100 unités, dans ce cas-là, il faudra couper l'apport en deux pour encadrer le stade épi 1 cm. En effet, si on apporte une trop grosse dose, il y aura de la perte. Dans nos différentes expérimentations, le fractionnement en quatre apports permet un gain de rendement de 2 quintaux et un plus en protéines de 0,3%. En blé, il ne faut pas non plus négliger le soufre puisqu'on a de moins en moins de retour atmosphérique, il faut donc envisager un apport d'une vingtaine d'unités à reprise de végétation. Pour le moment, il est trop tôt pour réaliser les apports, en effet, il faut que les cultures soient redémarrées pour pouvoir valoriser l'azote qui sera apporté. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.